Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Q4OS. Là j'oublie le 4 dans le descriptif, c'est pas bien grave. Donc c'est une distribution basée sur la Debian GNU Linux Wheezy et avec l'environnement Trinity Desktop Environment. Trinity c'est en quelque sorte la continuation de KDE 3.5. Bref. Donc, préparez-vous à faire un bond de 5 ans en arrière. On est parti. Comme d'habitude, tous les détails sont dans le descriptif de la vidéo. On est parti pour la vidéo en question. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est une Q4OS Desktop, que ça s'appelle officiellement. C'est une distribution basée sur Debian Wheezy, Trinity Desktop Environment. Et j'ai conservé le son ouvert pour vous faire entendre les bons vieux sons de démarrage de KDE 3.5. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, donc on se retrouve devant l'écran de connexion. Ah, ça rappelle les souvenirs, ça. Voilà un petit message qui nous accueille. Donc vous avez reconnu le son de démarrage de KDE 3.5. Donc là, l'ensemble est un peu chargé parce que j'ai lancé ce qu'ils appellent le Desktop Profiler. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a Google Chrome, Mozilla Thunderbird, LibreOffice, Synaptic. Donc, on reconnaît le bon vieux look Plastic Talk de Trinity KDE. Voilà, donc là, vous reconnaissez le, à l'époque où c'était pas surchargé, c'était pas le bling bling bling. Donc là, on va essayer de voir. Oh là là, tous ces souvenirs. Donc c'est la version 3.5.13.2 de Trinity Desktop Environment. Donc voilà, il y a tous les bons vieux trucs, la réseaunisation sur le multimédia. Ça rappelle pas mal de souvenirs, n'est-ce pas? Donc bien sûr, apparence et thème. De veille. Non, oui, c'est quand même assez, c'est quand même très rapide. Il n'y a pas à dire, c'est ultra rapide. On va prendre juste un autre thème. Un des écrans qui font penser un peu à ceux qu'on peut trouver sous MS Windows. Bon, c'est pas extraordinairement moche, mais c'est toujours sympa. Ce sont un peu des trucs un peu. Voir ce qu'il nous propose. Je n'ai pas encore testé ça, donc ça va être un compte surprise. Alors, on va se reconnecter. Ah, les bonnes vieilles icônes Plastic Talk de KDE. Donc, ah oui, là, on a une présentation, la Win 2000. Pourquoi pas? Donc je vais remettre le thème classique de KDE. Quoique une présentation à la Win 2000, c'est pas plus mal d'ailleurs. Donc là, je vais aller dans le gestionnaire. Alors, configuration, centre de configuration KDE. Apparence et thème. Donc là. Il y a plusieurs, pour moi il y a deux thèmes par défaut, le bon du thème KDE, le thème à la Win 2000. Donc j'ai remis le thème KDE par défaut. Voilà, ça va retourner là. Mais qu'est-ce que c'est rapide en comparaison du KDE 4 ou autre. Bon. Donc LibreOffice, c'est une version 4.3 si je me souviens. Et ça répond au doigt et à l'œil. Non, c'est pas possible de voir ça aussi rapide, quoi. Parce que faites la même chose sur un KDE 4, vous allez voir, ça va ramer. 4.3.3, donc c'est pas une version super jeune ni super vieille de KDE, enfin de LibreOffice, pardon. Donc c'est encore utilisable, même si la 4.3.6 c'est la version officiellement stable de la génération 4.3. Le côté logiciel, bon, ben, on a les outils bureautiques classiques, quoi. Donc on a LibreOffice. Configuration. Ah, on peut utiliser les distributeurs NTFS. Bon, il y a Conqueror. Il y a Chrome. J'aurais préféré Firefox, mais bon, il y avait le C. Je ne sais pas quelle version ça va être, par contre.
Donc quand même l'ajout de 2.03, oui, donc c'est un peu vieux, mais il y a pire. Alors c'est peut-être assez dommage que ce soit un peu vieux, mais bon, c'est normalement un OS à destination des professionnels, donc c'est pas besoin non plus d'avoir la dernière ultra version. Hein. Google Chrome, DBAPS, utilitaire, bon, là, tout le truc classique quoi, gestionnaire de fichiers. Donc c'est vrai quand même on a pas mal de trucs utiles. Alors voyons. Stop, super user. Donc oui, à l'époque, c'était bien sûr Conqueror qui servait à la fois de navigateur internet et de gestionnaire de fichiers. Et oui, ça rappelle des souvenirs, tout ça. Donc c'est quand même très rapide. Côté occupation mémoire, ça ne doit pas être énorme. Donc on voit la version de Google Chrome qui est proposée. Je n'ai pas encore lancé, donc ça sera la surprise du chef. Je crois que c'est la version 40, au moment où j'enregistre la vidéo qui est la dernière en date. Donc, à 5.41, autant pour moi. Donc la dernière version de Google Chrome en date. Donc le site de Q4OS c'est celui-là. Non. Ah, celui-là, je ne voulais pas traduire. Plus original, voilà. Si on va sur le. Voilà, elle précise que la version 1.0 se basera sur la Debian Jesse. Donc là, et le Trinity Desktop Environment. C'est Trinity Desktop Environment. Voilà. Tout simplement. Ah, ça c'est la version 14.0 qui est sortie, que j'essaierai de vous. Je parlerai dans une prochaine vidéo. Si tout se passe bien. Voilà. Donc vous voyez quand même que l'ensemble est très rapide. Allez, on va sur Google Conqueror, qui va directement sur Q4OS. Bon allez, on va rigoler un coup. On va aller sur HTML5 test, tiens. Je pense que le résultat ne va pas être extraordinaire. Hein. Oula! Bon, mais Conqueror 3.5 n'est pas vraiment moderne. Hein. Oh la vache! Donc voilà, c'est quand même très rapide. Ça fait plaisir de revenir 5 ans en arrière, mais. Ouh! C'est vrai que là, on se dit, ça a quand même pas mal évolué. En bien ou en mal, je peux pas dire, mais côté vitesse, en mal. Donc voilà, il y a tous les petits outils classiques quoi, qu'on peut trouver. Charge le système. Bon, donc il y a quand même pas mal de processus qui sont mangés. Bon, donc là, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, bien Synaptique, bien sûr. Voyons qu'est-ce qu'il y a d'autre. C'est vraiment très rapide, comme vous voyez. C'est vrai, ça fait un peu look vieillot. Mais par moments, ça fait tellement du bien de changer un peu, de ne pas avoir toujours la même chose. Oh. Alors on va dans par exemple, ce que je précise c'est entièrement en français dès le départ, c'est très bien. L'ensemble est vraiment conçu pour être utilisable. Ça change un peu des distributions, la mormoie, le bou. Mormoie, comment on peut dire ça? La mormoie, l'appendice caudal, voilà. Restons polis. Donc là c'est vraiment très agréable. Composante KD peut-être. Que je ne vais pas, ressources de Trinity, non, c'est pas ça. Gestionnaire de fichiers, vous voyez quand même, c'est super ultra rapide. Hein. Administration du système, DATR, station de police, emplacement. Bon, bref, je trouve pas. Mozilla Thunderbird, je pense que c'est une version 31 pour quelque chose. Parce que je ne l'ai pas lancé, donc c'est bien sûr, c'est IceDove. Sur la dernière version en date qui est 31.5. La 31.5. C'est pas plus mal. Donc là, on a bien sûr Aestov. C'est vrai quand même que l'ensemble est assez intéressant. Et côté taille prise, je pense, ne doit pas être très lourd. Hein. Sinon, si on fait un petit DF-H.
3 gigas. Et encore, je vais peut-être virer le, faut que je vais peut-être vider le cache avec Synaptique. Ta bouche. Alors, voyons, recharger. Celui-là, on peut le supprimer. Donc, on va voir s'il y a quelque chose à mettre à niveau. Apparemment, il n'y a rien à mettre à niveau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais voir quelle est la version de Firefox disponible. Non, dans toutes. Je vais voir si je pense à des Firefox. Donc, si on va me dire Ice Weasel, on va mettre Ice Weasel. Avec sa version française, ce sera mieux. Donc, c'est quand même agréable de qu'il y ait Synaptique. C'est vraiment ultra rapide, quoi, là. Hein. Je voulais avoir des distributions avec un KDE aussi rapide que ça. Hein. Bon, je veux bien ça veut KDE. Mais quand même, ça dépote. Dès qu'on se plaignait il y a 4-5 ans qu'il était lourd, le KDE 3.5. Bref. Vous savez, moi, ça me fait tout drôle de revoir cette apparence un peu, cette apparence un peu plastique toc. Voilà, donc, la même distribution a envie, mais bon, quoi. Donc là, normalement, programme, accessoires, peut-être Internet. Voilà, accessoires Internet. Ice Weasel. Dans les apportées. Voilà, nous avons donc Ice Weasel 31.5. Normalement. En clair, l'équivalent de Mozilla Firefox 36, version Debian et support long terme. Donc, on va aller sur QForest. Voilà, donc c'est vrai quand même que c'est très rapide, comme vous pouvez le constater. Et l'image ISO n'est pas extrêmement. L'image ISO est énorme, elle pèse 291 mégas. Et c'est vraiment, là, vraiment, c'est vraiment fait pour les petites machines. Donc, comme j'ai précisé dans l'article, tout est fait justement pour simplifier la vie d'utilisateur. Vraiment, dernier point, c'est vraiment très pratique. Je ne sais pas qui est derrière Q4OS, mais ils font du boulot monstrueux. Un beau boulot. Là, les développeurs, pas précisé. Q4OS, contact. Shop, peut-être qu'il s'en va donner. Apparemment, ça doit être américain comme boîte, enfin comme développeur. Donc là, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut un boulot monstrueux. Peut-être que sur DistroWatch, ils vont préciser l'origine du. C'est DistroWatch que j'ai trouvé, cette distribution. Donc avoir le pays d'origine. Ah mais c'est allemand. Autant pour moi. Je pensais que c'était américain, non c'est allemand. Voilà. Et je confirme qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour faire tourner. C'est une très bonne petite. Voilà. Donc c'est une très bonne petite distribution. Il n'y a pas à dire. Donc là je vais l'éteindre. C'est vraiment dédié aux personnes qui ont des petits ordinateurs. Maxi 512 mégas ou 1 giga de mémoire vive et qui ont envie d'utiliser quelque chose un peu de old school et d'avoir quelque chose d'old school tout en restant utilisable à terme. Donc là pour moi c'est une très bonne petite distribution. Je me répète, désolé, mais je pense que c'est une distribution qui permettra à des personnes qui ont peut-être une utilisation un peu plus professionnelle que personnel de recycler des vieux ordi. Voilà,
Non, mais je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!